Oui, bonjour monsieur. Ici nous sommes à Bruxelles pour la manifestation du 16 février organisée en collaboration et surtout au départ de l'Église catholique du Congo. Voilà, vous êtes ici. Expliquez-nous un peu les raisons de votre présence ici à Bruxelles. En fait, comme vous l'avez dit, nous sommes là justement pour répondre à l'invitation des compatriotes qui ont voulu organiser, disons, une marche à l'appel de l'Église catholique. Comme vous savez, l'Église catholique est très impliquée dans le processus d'élection qui a eu lieu au Congo, l'élection présidentielle ainsi que législative. Mais vous savez, ça a été, disons, un espoir déçu pour les Congolais que nous sommes sur place. Et ici, il y a eu des tricheries et l'Église catholique a eu à dénoncer ces tricheries-là. Et comme l'Église catholique était, disons, aux élections comme observateur, l'Église catholique a vu ce qui s'est passé, les tricheries à tous les niveaux. L'Église a dénoncé et l'Église catholique a les véritables résultats. C'est ainsi que non seulement l'Église catholique a dénoncé, mais l'Église catholique a dit les résultats proclamés par ce qu'on appelle Ngoï Kuluna, les soi-disant présidents de la commission qu'on a faussement dénommée indépendante, alors qu'en réalité c'est une commission dépendante de M. Hippolyte Kanembe. Donc, les faux résultats proclamés par Ngoï Kuluna ont été dénoncés par l'Église catholique. Et depuis, l'Église catholique ne cesse de demander la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est quoi? C'est la proclamation de M. Étienne Tshisekedi comme président de la République. Et voilà, c'est ça l'objet de notre présence ici. Donc, on est là pour répondre à l'invitation et pour manifester et protester. Donc, on est là pour répondre à cela.